GTA 5 Online, donc là on est dans le mode histoire. Je vous explique pourquoi, parce que pour le glitch qu'on va faire aujourd'hui, le glitch de duplication, en solo, il faut tout simplement se mettre en mode de visée libre. Donc vous allez soit dans le mode histoire, soit dans le mode éditeur, vous allez dans paramètres, dans commandes, et vous allez dans, vous mettez mode de visée libre. Voilà, comme ça. Donc là il faut se rendre, on va se rendre en ligne, je reprends quand le changement. Et donc là c'est bon, on est sur le mode online. Donc je fais un petit pub. Si vous regardez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un like, etc. Je crois que je l'ai déjà dit au début. Mais c'est surtout que allez voir, il y a quelques jours j'ai sorti une vidéo où j'ai fait un concours de skin où je vais gagner. Enfin je vais faire gagner en skin à un de vous. Donc vous aurez toutes les conditions qui seront dans la vidéo. Bref, donc là on est rentré dans notre petit bunker, il faudra se rendre dans notre centre d'opération mobile où il y aura le véhicule que vous voulez dupliquer. Donc là on rentre dedans. Là vous voyez qu'il y en a ici anticipation que je veux dupliquer, on va rentrer dedans. Comme ça, tac. On va accélérer pour la sortir du centre d'opération mobile avec dans le bunker. On attend le chargement. Et voilà, là elle est dans le bunker, on y ressort. Et puis on va tout simplement aller à l'extérieur. Donc à l'extérieur, il faudra se rendre à notre complexe. Donc dans notre complexe, il faudra un quartier. Donc un quartier de type pauvre, riche, vous en foutez, il faut un quartier. Le quartier, c'est la modification du complexe où vous avez un... ça. Donc il faudra s'y rendre avec, avec une PNJ. Avec la technique de téléportation là. Ou avec le bussard que vous pouvez prendre dans le Securus Army. Faut pas prendre avec le personnel, bref je reprends quand j'y suis. Une fois qu'on y est, on se rend on rentre dedans à pied. Comme on dit dans la vidéo, tac 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 tac. Je rentre à pied. Comme ceci. Là on attend le petit chargement du complexe. Donc là, une fois que le chargement a terminé, il faudra tout simplement se rendre à l'intérieur du complexe. Enfin, comment dire, il faudra se rendre ici, comme vous voyez. Il faudra se rendre dans votre quartier. Donc là, on sprint. On est dans le quartier, tac, il faudra aller dans le lit. Comme on voit, tac, on appuie sur la clé droite, on va sur le lit. Là on attend bien qu'il y ait appuyé sur le bouton triangle comme moi ou sur le bouton Y si vous êtes sur Xbox. Là il faudra rejoindre une activité n'importe laquelle vous avez sur la carte. Vous avez sur palette tactile, vous verrez toutes les activités. Il faut rejoindre une activité ou si vous voyez pas les activités, il faudra aller dans votre menu avec le palette tactile pour activer les activités. Donc là on fait lancer l'activité. Okay, on attend le chargement, il y aura un chargement infini comme ça, vous allez appuyer sur le triangle ou Y pour sortir du lit et là il faudra tout simplement sprint pour aller au niveau du parking du complexe. Je vous rappelle que le parking du complexe faut pas acheter, c'est donné comme ça. Donc là on va au niveau du parking du complexe comme cela. Et on va prendre le véhicule qu'on va sacrifier à la place de la duplication. Donc là, il faudra simplement se rendre à l'Lady. Donc moi, l'Lady est de l'autre côté. Et l'Lady est rachetée 13€. Vous prenez un véhicule pas cher, un truc comme ça. Et là, attendez. Juste avant, observez bien. J'ai pas dit d'anticipation. C'est juste pour vous montrer que c'est pas du fait. Là, on se rend au niveau de notre
relégué à la chute. Et on va aller dans une communauté ou dans un dans les amis, donc pas vie au menu, à l'option, pas vie au jeu où t'as l'argent d'un ami, vie à votre menu. Moi je peux pas filmer, du coup je vais vous prendre des screens. Pas de chargement à la personne, on attend le petit chargement que ça affiche. Donc quand ça va afficher le message, il faudra appuyer sur R2 et puis vous restez maintenu, vous appuyez sur croix et là ça va vous faire sortir de votre véhicule. Vous attendez, ça va vous mettre un écran noir et ça va vous faire sortir de votre voilà, ça va vous faire sortir du petit complexe. Donc moi j'ai sorti du complexe, donc pas du main. Et donc là il faudra se rendre au niveau des véhicules. Tac, on va prendre pas un véhicule personnel comme d'habitude, on va prendre un véhicule de PNJ pour s'y rendre. Donc je pense que je vais vous mettre un grand accélérateur. Donc voilà, une fois que vous êtes rendu à votre bunker comme d'habitude sans véhicule personnel, vous allez descendre, rendre à pied dans votre bunker et le glitch est presque terminé. Bon, regardez la fin parce que peut-être vous faire troll. Je préfère préciser, à la fin de la duplication, je sais pas si vous voulez renchaîner une duplication, s'il faut, vous pouvez la refaire dans la même session ou s'il faut rechanger de session. Ça, je préfère vous préciser, je ne sais pas. Donc là, une fois qu'on s'y est rendu, on ne prend pas ici anticipation. On va tout simplement rentrer dans le centre d'opération mobile. Et là, parfois, quand vous allez être ici, il ne va pas être marqué sortir de la remorque. Donc il faut sortir, mais si c'est pas sorti de la remorque, faut refaire la manipulation, je rejoins l'ami, j'accepte le premier message, l'ami est là avec le mode de visée différent, j'accepte le premier message, je refuse le deuxième et je réaccepte le premier. Et là normalement ça va vous remettre l'option de sortir. Donc je vous redis aussi comment faire pour la manipulation avec la LED. Il faut tout simplement, quand vous avez le message d'alerte, il faut tout simplement maintenir sur R2 pour accélérer tout simplement, et là il faut tout simplement accepter le premier message, refuser le deuxième et réaccepter le premier, et après vous restez sur le bouton R2, vous restez jusqu'à vous êtes sorti du bunker et après ou du complexe, et après vous pouvez vous enlever. Donc là, une fois que vous êtes avec votre ici anticipation, vous allez faire ça maquille dépôt de véhicule personnel plein, vous allez accepter le message, vous attendez le chargement. Donc là pour ma part voilà, donc je vais vous prouver que ça a bien marché. Regardez, là je ressors avec mon ici anticipation que j'ai dupliqué, enfin ça c'est la vraie, mais l'autre là je vous montre. Donc là je vais sortir tac de mon petit bunker, je suis pas sorti avec le ici anticipation. Préciser, on attend le chargement, et là si j'appelle le mécano, je sais pas si non, si j'appelle le mécano, tac. Je sais pas si il voudra prendre mon appel ici. Là, je me rends au niveau de mon complexe, comme vous voyez, complexe, et là vous voyez que j'ai une anticipation. Donc voilà,
Donc bref, c'était TNR et puis ciao.